m'amenait à quitter l'accord, c'était que je voulais voir autre chose. Je voulais améliorer mon anglais, donc c'est pour ça que j'ai décidé dans un premier temps de partir en Australie pendant un an. Et ensuite, au fur et à mesure de mes rencontres, je me suis retrouvé à Taïwan. Alors à Taïwan, au niveau professionnel, j'ai créé ma société. Avec mon associé, on a décidé d'importer le concept du copricado. Donc Taïwan, c'est un pays qu'on ne connaît pas forcément, qu'à part le made in Taïwan, on a beaucoup d'a priori, de préjugés sur ce pays-là. C'est un pays magnifique, c'est un pays qui est très développé, qui a une économie florissante. Il y a tout ici, c'est-à-dire qu'il y a la nature. Alors il y a 23 millions d'habitants à Taïwan, ça fait à peine 3 fois et demi la Corse en taille. Donc moi, quand je suis venu, j'ai vraiment eu enfin, je pensais qu'on allait tous marcher dessus, qu'il n'y avait aucun espace vert et autres, alors que pas du tout. Donc ils ont aménagé, disons, la côte ouest de l'île en mettant toutes les villes et le mégalopole, et la côte est et le centre est resté complètement naturel. Pour les liens avec la Corse, donc c'est très important pour moi. J'ai la Corse au cœur, donc c'est très important de garder mes relations avec eux. Je me considère comme un ambassadeur, je dirais, de l'île, et j'en parle tous les jours. C'est-à-dire, alors je fais des interventions dans les lycées, dans les universités ici. Donc moi, je suis supposé de parler la France, mais bon, j'accentue vraiment sur la Corse. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas le projet de rentrer pour vivre en Corse. Par contre, dans le futur, si il y a possibilité, pourquoi pas vivre à moitié du temps en Corse, moitié du temps en Asie et autres. Donc ça serait parfait comme choix. Et un petit mot aussi, pourquoi pas aux Corses, aux jeunes en tout cas qui ont envie de partir. Moi, je leur dirais de tenter la chance qu'ils y aillent. Et s'ils veulent venir à Taïwan, ils me contactent et ils viennent, on pourra faire un truc ensemble ou autre.